Yo les Straps, c'est Pazerati et aujourd'hui on se retrouve pour ce qui va peut-être être le dernier épisode, probablement l'avant-dernier. Je sais, je connais pas trop la longueur du jeu, mais tout va bien. Faut que je retrouve les contrôles. Okay. Revenir au niveau précédent, c'était le bunker. Donc on va commencer à parler là, madame. Je sais pas si c'est la même, si fois c'est juste réutiliser le skin. Ah si, ça va être elle. Je me souviens de vous, c'est vous qui faites du cosplay. J'ai cherché l'animé dont vous me parlez, mais je l'ai pas trouvé. C'est une œuvre obscure réservée à l'élite. En fait, ça vient d'un hentai. Mais bon, on pourra le regarder ensemble un de ces jours. J'adore les animés. Trop bien, mais clairement, let's go. Ce sera avec plaisir, cœur. Allez-y, monsieur, et repassez me voir, vous savez où je travaille. Pour l'instant. Ah, ouais, c'est ça, elle a dû survivre, peut-être. On voit. Petite waifu pour regarder des animés ensemble, hein. Why not? Pas, genre. Ah. C'est stylé. Le niveau, enfin, j'ai une bouteille du coup. Ah, ça va être galère un peu, je pense. Ok. Fallait y aller en même temps pour un relâche tout début. Oula. Non, mais là. Je pense qu'il faut ignorer. Ok, j'ai un peu bourriné, c'est passé. Ok, nice. J'essaie de pas trop jouer avec le ralentissement parce que c'est moins cool, je trouve. Je spam la roulette. Spam de roulette. Pour une roulade. Assez OP. Le fumigène, c'est vraiment le truc le plus dur. Sur les autres bombes, tu peux pas les utiliser au corps à corps et. Ah, y a la musique qui se ralentit. Ok, c'est normal. Une porte. Oh, j'ai rien compris. C'est vraiment qu'il y ait quelqu'un dans un ascenseur quand tu ouvres la fin d'un niveau, comme ça tu dois tout refaire.
Je crois que je suis obligé de passer en haut. Nice. Nice. Merde. J'étais trop préparé à qu'il y ait un mec dedans, je lui ai dit direct. Cache-toi, Abliat! Ah, le nul arrive. Oh. Les blobs, les blobs, les blobs. Rouge, vert, noir, rouge, vert, noir, rouge. On voit tout le niveau? Regarde comique, le bretteur rétif émerge sans pas empoisonné. C'est encore les fifous là. Ça devient excitant, pas vrai? Le premier acte attendra bientôt son paroxysme. Oh, j'ai hâte de voir ça. Premier acte. Oh, ils m'ont mis au sol. Non, c'était si beau. Putain, le knockback. Oh! Fait clamser moi sur le peupon là. Oh! Un gun! Wait, what? Ah, ils sont trop drôles. Oh, c'est pas mal. Ah, il y a une Gatling ici. Enfin, il y a une tourelle. Oh le teubé. Complètement con. Nice. Ça là avec les deux boucliers et le peupon m'a un peu fait peur j'avoue. Non mais si t'es dans un coin c'est de la triche aussi. J'ai un stand one shot son pote. Oh! Cool guys, don't look at explosions.
C'est un peu du hint ce que j'ai fait. Putain, ils sont nombreux, wesh. Ah, c'est un coup d'air. Ce dos. Par contre, la mine de proximité là, c'était ça là. Oh. C'est peut-être le black qu'on a vu dans le mémoire. Et le rousse, on dirait. Ouais. J'espère avoir l'occasion de terminer ce que nous avons commencé. Je vais bien m'amuser. Ah, c'est le laser. Waouh! Est-ce que je peux rentrer là-bas? Oh là là, mais là c'est. C'est de la. C'est pas sérieux! Ah d'accord. Non. Ok. C'est un gamin, c'est ça. Exactement comme 15. Toi aussi, tu fais partie du nul. Je croyais que 15 et toi. Si tu étais les derniers soldats du nul encore en vie, Akassim me paye un Chronos pour tuer les gens. C'est ce qui t'amène, non, la Chronos? Y'a personne ici. J'ignore où Akassim l'a regardé, mais elle n'est pas ici. Il n'en reste presque plus. Certainement pas assez pour nous deux. Ah, y'en a pas assez pour nous deux. Il n'y en a plus, le projet nul est enterré. Si le gouvernement en a encore, il nous les donnera servant pas à nous. À nous les rejetons pourris d'une guerre malmenée. Putain, c'est tellement deep le scénario. Il y en a peut-être assez pour une personne, mais pas pour nous deux. Je viens pas pour la Chronos. Quoi? Pourquoi tu l'as? Il n'y a rien de valeur ici, rien. C'est tuer, c'est combat, c'était pour rien, à moins que. Tu aimes ça, hein, tuer. L'immortalité que la Chronos nous offre, la sécurité du temps, c'est pour ça qu'on tue sans réfléchir. Parce que si on meurt, on revient toujours. Quand on tue, c'est le seul moment où on peut toucher du doigt cette chose qu'on n'a jamais pu avoir. Je me tue. Comment ça sera que c'est l'innocent? Je suis le gentil garçon. Comment se passe dans tes têtes? C'est un tournoi de volonté. À chaque fois que tu me tues, je comprends mieux comment te battre. Quand je t'aurai achevé, j'irai voir ceux qui nous ont fait ça. Je te le promets. Tu ne seras pas mort en vain. Ils vont souffrir. Oh là là! Pisse? Y'a pas assez de Chronos, bon sang, même si on ne pourrait pas s'entraider, même si on le voulait. Tiens, c'est dommage. Tiens, un peu. Je regrette que ça se mise comme ça, mais y'a pas d'autre choix. Y'a peut-être assez de Chronos dans ton sang pour ralentir les effets du manque. Toi, bon sang, le combat ce sera que si tu t'en jamais! Ils font jamais les mêmes patterns! Non, trop tard.
t'ai vu promettre 7 heures des centaines de fois, tu peux pas me surprendre, tu ne peux pas gagner. Alors, j'ai pas encore pas toutes des centaines de fois, donc... J'ai trop de chronos, t'en as pas assez, du coup j'ai gagné. Oh, bien joué. Petit saut. Putain, si tu la confonds facilement avec... Oh là là, mais... Elle est overfumée. Ok. Non mais là... C'est invisible, il y a STP de l'autre côté. Ah oui, j'étais en l'air, c'est con ça. Super, fonce-moi dessus et explose-moi la gueule. Ah, j'ai récupéré son truc. Il y a la Chronos dont on sent assez pour que je puisse tenir un jour ou deux. J'ai peut-être fait la première phase, moi. J'ai ramassé son petit... J'ai plus, par contre. Putain! Il faut réussir à avoir le couteau. Non, je suis trop con. Merci. Ok, nice. Je l'ai gommé. Oh, j'ai galéré, hein. Tu l'es. Tous ceux qui nous ont fait ça.
pour moi. Accès refusé, balayage rétinien requis. Pas le sang. C'est eux qui ont fait ça? Tuer l'enfant! Je vais attendre. Faites-vous, vos cibles sont encore en vie. Qu'est-ce que vous avez encore foutu? Tu veux le psy? Vous comprenez au moins ce que vous avez fait. Oh! Je n'ai pas pu joindre ma fille depuis ce matin. Et ce téléphone, pourquoi j'ai toujours ça? Oh! Je peux tout expliquer, ils ne viendront pas me chercher. Je n'ai rien à voir avec ça. Bon, je m'en vais, je dois partir. J'ai pas le temps. Vous m'avez menti! Pourquoi ai-je pu m'empêcher? Faut quelqu'un dans mon cabinet, sale petit junkie. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en manque, éloignez-vous de moi. Ah, ça c'est pas moi. Faut. Après tout ce que j'ai fait pour vous. Ouh! Arrêtez, vous ne pouvez pas faire ça. Oh! Je vous donnerai le chrono ce que vous voulez, mais laissez-moi leur dire si vous voulez. Vous êtes qu'une saloperie de sous-humain. Pause. Livraison Chronos, 3h30 le mercredi, cercle 286, labo d'armement spécial de la nouvelle. Il y a aussi un dossier. Sujet 0. L'exécuteur Nunu laissera donc un agent gouvernemental le grand leur libre pour des contrats extérieurs. Doit être éliminé discrètement avant d'aller interroger son rôle à l'origine de ces informations sur la fabrication de Chronos. Ouais, donc en gros, j'étais le dindon de la farce. Ils voulaient me goumer après que j'ai fait leur travail.
Comment je vais encaisser le loyer si vous me laissez pas entrer? Karen. C'est le K-word. C'est une scène de crime, sur le caisse. Allocataire, le logement avec la porte enfoncée, c'est le sien. Mon appartement a été cambriolé? Oui, celui du voisin aussi. Il a été tué. Si c'était pas ça, il serait mort d'une overdose. Ce type est un junkie. Vous pouvez entrer. Wow, 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 wow! Une vie pour une autre. Oh, la petite fille. Petite fille? Il n'y a pas de petite fille ici, pas dans mon immeuble, pas dans le 3ème district. Rendez regard chez lui, il se trouve pas des trucs bizarres. De quelle petite fille vous parlez? Bonne description. Sa fille? Y'a pas d'enfant dans l'immeuble, je vais au grand, sorti fufi seul. Des enfants dans le 3ème district et. Y'avait pas d'enfant, c'est un paumé et un camé impliqué dans un trafic de drogue. Monsieur, si vous. Non! Le mangeur est joué au vite! Mais essayez, tout se passera bien. Avance centrale, on a un 452 au bâtiment 298, un homme taille moyenne en robe avec du charme épais et samouraï. Randy correspond finalement. Tu crois que c'est lui? 7 ans plus tôt. Cache-toi vite, les soldats. Il a chopé le Léviathan. Zéro rapport, mission accomplie. Bien sûr, 015, rentre à la base. Si vous rentrez en obstacle, vous savez quoi faire. Oh là là! Depuis le début, on croit que c'est moi le gamin, mais en fait, non! Vous est mort. C'est un rescapé du nul Gamma 15, monsieur. Je vois. Alors nous devons bien trop en guerre contre le gouvernement. À suivre. Tantan. Ah. Regarde comme elle se tortille, tragique. Ses trémoussements sont vains, cher comique. Au malheur des malheurs, quelle fin tragique l'attend, hélas. On va bien s'amuser. Laboratoire du gouvernement, mode speedrun et mode difficile de débloquer. Oh oh. Du coup, on va s'arrêter là. Je ferai probablement un autre épisode pour voir quels sont les autres bouts du jeu, parce que là, il y a écrit continuer, tout ça, donc on va explorer ça. Du coup, c'était vachement intéressant. Faudrait que je vérifie, parce que je crois que j'ai pas tout compris.
Ou alors c'est juste qu'on en saura plus dans le 2, parce qu'apparemment ils vont en sortir un nouveau. Mais franchement, c'est bien profond la fin. Ils m'ont bien eu sur le coup du souvenir que, en fait, tu croyais que c'était le gosse, mais en fait non, c'était l'adulte. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. Du coup, je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode. Ciao!